C'est suite à une découverte surprenante que le CNRD aurait sommé les responsables des finances publiques de déposer leurs documents de voyage à compter de ce mercredi 24 novembre 2021. Selon nos confrères de Guinenews.org, certains DAF et directeurs des EPA auraient des comptes bancaires crédités de plusieurs milliards de francs guinéens. Les gels des comptes domiciliés dans les banques primaires des DAF et autres ont abouti à des découvertes surprenantes. Le directeur d'un EPA aurait un solde créditeur de 37 milliards de francs guinéens sur un compte à son nom, tandis que le DAF d'une autre juridiction aurait 15 milliards sur son compte, affirme le média cité plus haut. La mesure concerne entre autres, les directeurs des départements des affaires administratives et financières des ministères et des institutions publiques, les directeurs des régies financières de l'État et les directeurs des établissements publics administratifs, EPA. Les CNRD intiment les concernés à rendre tous les types de passeports à leur disposition dès ce mercredi 24 novembre 2021.